Receive the breakthrough that comes from resurrection power. Recevez qui vient de la puissance de la résurrection. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Stretch out your hand. Étendez vos mains. That same resurrection power. Cette même puissance de résurrection. That raised Jesus Christ from the dead. Qui l'a ressuscité de la mort. After 3 days. Après 3 jours. Is present. Est présente. Now. Ici. I will raise whatever thing. Et cela va ressusciter toute chose. In your life that is dead. Qui est morte dans votre vie. Viewers all over the world. Téléspectateurs dans le monde entier. I am talking to you. Je m'adresse à vous. Get connected by faith. Soyez connectés par la foi. Remember physically you are not here but spiritually we know vous we are here with us. Vous savez que physiquement vous n'êtes pas avec nous mais spirituellement physically, vous y êtes. Physically we are not there but spiritually we are there with you. Whatever that is dead in your life. Quelque soit ce qui est mort dans votre vie. In your health. Dans votre santé. In your career. Dans votre carrière. By the resurrection power of Jesus Christ. Par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Arise! Ressuscite! Arise! Ressuscite! All you need to do is to believe. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de croire. Romans 8 verse 11 says, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort vit en vous, will also give life to your mortal bodies. Donnera également la vie à votre corps mort. Because of his spirit who lives in you. Parce que par son esprit qui vit en vous, viewers all over the world, téléspectateurs dans le monde entier, are you ready? Êtes-vous prêt? For that resurrection power, pour cette puissance de résurrection, to fall upon you now, déverser sur vous maintenant, receive it! Recevez-la! In the mighty name of Jesus Christ. Amen. The resurrection power of Jesus Christ fall afresh on you now. La résurrection de Jésus-Christ se déverse sur vous maintenant. Fall afresh on you now. Se déverse fraîchement sur vous maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Fall afresh on your career. Se déverse sur votre carrière. Fall afresh on your business. Se déverse sur vos affaires. Fall afresh on your marriage. Se déverse sur votre mariage. Fall afresh on your family. Se déverse sur votre famille. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Are you sick? Êtes-vous malade? The resurrection power of Jesus Christ. La puissance de résurrection de Jésus-Christ. Is coming upon you right now. Viens sur vous maintenant. Be healed. Sois guéri. Be healed. Sois guéri. Be healed. Sois guéri. Are you poor? Êtes-vous pauvre? The resurrection power of Jesus Christ is coming upon you. La puissance de résurrection de Jésus-Christ vient à vous. Be blessed. Béni. Be blessed. Béni. Be blessed. Béni. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Are you barren? Êtes-vous stérile? The power of resurrection is coming upon you right now. La puissance de résurrection vient à vous maintenant. Be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. By the resurrection power. Par la puissance de résurrection. That said, Lazarus, come forth. Qui a dit à Lazare de sortir. I say to your career. Je dis à votre carrière. I say to your business. Je dis à vos affaires. I say to your health. Je dis à votre santé. I say to your marriage. Je dis à votre mariage. I say to your finances. Je dis à vos finances. Come forth. Sortez. Come forth. Sortez. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Whatever that has been in a state of disuse. In your life, in your career, in your family life. Dans votre carrière, dans votre lignée familiale. Be resurrected. Ressuscitez. Be resurrected. Ressuscitez. Whatever that has stopped working in your life. Quelque soit ce qui a cessé de fonctionner dans votre vie. Begin to walk. Fonctionnez. Begin to walk. Fonctionnez. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. I command any curse. Et j'ordonne à toute malédiction. Operating in your life. Qui opère dans votre vie. Operating in your family line. Qui opère dans votre lignée familiale. Be broken. Brisé. Be broken. Brisé.
the mighty name of Jesus Christ. Amen. Jesus Christ's power, la puissance de Jésus-Christ, and effectiveness are even greater today, et son effectivité est plus grand aujourd'hui, than during his earthly ministry, because he can be present in all places at all times, parce qu'il pouvait être présent à tout lieu en tout temps, by his spirit, par son esprit. Right now, anywhere you are, alors partout où vous êtes maintenant, I release the power of Jesus Christ. Je relâche la puissance de Jésus-Christ. I release the power of Jesus Christ. Je relâche la puissance de Jésus-Christ. To touch and heal you. Pour toucher et vous guérir. That sickness, go now. La maladie, va maintenant. That failure, go now. Cet échec, va-t'en maintenant. That disappointment, go now. Cette déception, va-t'en maintenant. That setback, go now. Ton revers, va-t'en maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Does the Son set free are free indeed. Ce que le Fils de l'homme en guérit sont libres en vérité. I can see you being free. Je vous vois être libéré. Your portion of blessing has been released. Votre portion de bénédiction a été relâchée. Your portion of blessing has been released. Votre portion de bénédiction a été relâchée. Your portion of blessing has been released. Votre portion de bénédiction a été relâchée. Those who knew you as a sick person will soon see you as a healthy person. Ceux qui vous ont vu comme une personne malade vous verront comme une personne en bonne santé. Those who knew you as a nobody will soon see you as somebody. Ceux qui vous ont vu comme un vaurien vous verrez comme quelqu'un avec de la valeur. In Jesus Christ's name. Amen. From today. À partir d'aujourd'hui. Your enemy has taken your place in sorrow. Votre ennemi a pris votre place dans la tristesse. Your enemy has taken your place in sickness. Votre ennemi a pris votre place dans la maladie. Your enemy has taken your place in disappointment. Votre ennemi a pris votre place dans la déception. Your enemy has taken your place in setback. Votre ennemi a pris votre place dans le revers. From today, à partir d'aujourd'hui, your enemy will walk sorrowfully. Votre ennemi marchera. And you will walk joyfully. Marcherez joyeusement. Come on, walk like a winner. Walk like a winner. Marchez comme un vainqueur. Walk like a victor. Marchez comme un gagnant. Walk like an overcomer. Marchez comme un vainqueur, un victorieux. Walk like an overcomer. Marchez comme un victorieux. I want to see that triumphant entry. Je veux voir cette entrée into your success zone. Dans votre zone à réussite. That triumphant entry. Cette entrée triomphale. Into your Canaan. Dans votre vie. Hallelujah. Amen. Remember when Joseph excelled in his situation. Souvenez-vous que lorsque Joseph a excellé dans sa situation, Pharaoh in the palace called for him. Pharaon dans le palace l'a rappelé. You are here because you have excelled in your situation. Vous êtes ici parce que vous avez excellé dans votre situation. A royal connection awaits you. Connexion royale vous attend. Let me see your joy. Celebrate, Jesus, celebrate. Everybody celebrate, celebrate, Jesus celebrate. Everybody celebrate, celebrate, Jesus celebrate. Everybody celebrate.